Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis les Polars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, étant donné pour faire mes vidéos, pour les croquer, en fait, j'avais supprimé pas trop mal de jeux. Et oui, j'ai aidé. Un autre jeu, donc, en même rapport, de Bombuti et Clash of Clans, c'est le même créateur. Par contre, je sais pas si j'ai le droit de le dire pour droit d'auteur. Parce qu'il y a des potes, en fait, ils me disent un peu n'importe quoi et je sais pas trop, en fait, si j'ai le droit. Donc j'ai pas trop mal, j'ai quelques jeux en fait, et donc je vais vous en présenter quelques-uns, et là je voulais vous présenter lui, donc COMZ2, en fait c'est un jeu de survie en fait, c'est assez bien, j'avais le 1 avant mais le 1 je l'ai supprimé, il était casse-pied, et donc ce jeu en fait consiste en un jeu de survie. On peut jouer avec des autres joueurs. Je vais vous montrer après. Attends, je vais baisser le son du jeu. Donc. Petite pub. Voilà, en fait, c'est un petit peu en dessin animé. C'est bien fait. Pixelisé, hein, c'est en carré. Donc, voilà. Moi, je suis Day 37, en fait. Enfin, c'est le jour en anglais. Donc, je suis jour 37. Mais le jour veut presque rien dire. Ça dépend pas de l'arme. Donc moi j'ai le laser, donc j'ai cette arme là, et regardez, par balle en fait elle fait 1500 dégâts, et le laser il tire à une vitesse énorme, pour résumer 19, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 2, enfin je vais pas le dire en fait, vous verrez quand je ferai une partie, et celui là fait 1200, mais il met 8 secondes je crois, non, rate of fire, 1 seconde 2 à tirer, donc lui en fait tellement il est, lui, voilà, donc le laser, tellement il est rapide à tirer qu'il n'y a pas de rate of fire, je sais plus ce que ça veut dire. Le temps entre chaque tir, en fait, c'est ça. Enfin, mais je sais pas exactement la traduction exacte. Et donc, en fait, tellement. Enfin, c'est moins que des secondes, en fait. Avec l'AK-47 que j'ai là. C'est à peu près. C'est pas marqué. Bon, bah voilà, par exemple, avec ce fusil à pompe, c'est 0,5 secondes. Et je fais 835. Elle est améliorée, elle est level 30. En même temps, c'est une des premières armes. Donc, je fais 835 de dégâts toutes les 0,5 secondes. Et avec le laser, moins que les 0,5 secondes, je fais 1500 de dégâts. Le laser, je crois que c'est une des plus puissantes du jeu, en fait. Parce que tu tires super rapidement. Et tu fais énormément de dégâts. Donc pour la débloquer c'est 150 diamants qu'il faut, mais après il faut masse d'argent. Donc là en fait je presse, enfin tu sais c'est la machine à sous un peu on va dire, sauf que non non tous les jours gratuit, sinon faut utiliser 10 diamants, mais je vais pas le faire parce qu'en fait j'économise 500 diamants, je crois que c'est ça, 500 diamants pour avoir 1 600 000 d'or, enfin de pièces d'or, pour améliorer mon laser à fond et plein d'autres armes, pour maxer toutes mes armes en fait. Et après je pense que j'aurai fini le jeu. Donc ça en fait c'est pour avancer en day, donc la case verte. La case jaune c'est pour avoir des tickets pour débloquer des autres personnages. D'ailleurs je vous en ai pas parlé. Je fais attention au temps parce que j'ai pas beaucoup de temps, ouais c'est bon. Donc par exemple moi j'ai... Je l'ai pas le policier, je l'ai pas acheté, mais si je veux, je le peux. Lui non plus, je l'ai pas acheté. Toute la partie de droite, là, donc lui c'est le personnage de départ. Lui en fait, je l'ai acheté et je l'ai amélioré avec les tickets. Et en fait, si on l'améliore avec 50 tickets, par exemple, il s'améliore et il a un chapeau noir. Avant, il était marron. Pareil pour elle, en fait, dans 50 tickets, elle aura des lunettes bizarres. Et donc ces trois personnages, je l'ai. Lui, il a un coup spécial, en fait, il a une scie et tournoi. Enfin, il tourne. Lui il a un truc qui attire en fait. Et elle a un pistolet qui rend non. En fait par exemple si tu tires sur le zombie, et ben le zombie il va être avec toi en fait. Et donc pour jouer en ligne, c'est le boss raid. Et en fait à chaque fois qu'on gagne un boss raid, c'est on gagne. Après ça dépend du boss. Donc moi lui je me le fais tout seul si je veux. Enfin je me le fais en 10 secondes.
en fait, tellement mon arme est puissante. Parce que lui, il a 100 000 de points de vie. Et en sachant que je fais 1500 de dégâts très 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 rapidement. Donc je l'éclate. Lui aussi, je l'éclate. Lui, je le fais encore en multijoueur. Me le faire tout seul, je pense pas que je serai assez. Et là, en fait, je fais tout le temps lui. Et pareil, vous voyez là les bonus enfin, au milieu en bas. Par exemple, les trucs bleus bizarres en fait. Juste à côté de custom. Et ben en fait, quand on en gagne un, et ben c'est par exemple sur ce. Donc sur ce personnage, quand on en gagne un, en fait, après ça permet de débloquer une arme. Donc c'est l'arme que j'ai qui fait 1100 dégâts, pas le laser, l'autre, mais celle qui a un fire rate de 1000 de 1 seconde 2 à peu près. Et avec elle, on obtient un lance-gel, en fait, ça lance du gel, normal. Et avec lui, on obtient un lance-grenade. Mais bon, bref, moi je m'en fiche parce que j'ai acheté le laser et il est plus puissant. Et donc je vais faire le Strawman. Et en fait, vu que j'ai déjà les trois pièces qui sont là, et ben je vais gagner 100 000 euros en fait. Donc c'est assez rentable, c'est pour ça que je le fais tout le temps. J'espère que je vais être avec de bons bails. Non, je vais quitter. Oh, bah trop tard. Bon, tant pis, je vais la faire. Et donc en fait, le laser, je vais vous montrer comment c'est en fait. Voilà, donc je suis dans la partie. Oh, ça me fait un petit freeze. Une freeze. Donc voilà, voilà mon laser, un peu comment il est. On peut pas changer d'arme en pleine partie. Donc voilà comment il tire en fait. Et regardez à quelle vitesse il tire. Et tout ça retire 1500 à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une balle qui part, ça retire 1500. Donc, autrement, donc je vous dis, je vous fais assez mal quand même hein, avec cette arme-là. Oh, par contre, ça lag. Ça me l'a jamais fait. C'est peut-être parce que je suis en vidéo. Je lag énormément. Donc sur cette map, après il y a des cachettes et tout. Donc voilà. Par contre, je vais quitter la partie parce que ça lag de trop, en fait. Et là même moi, j'ai du mal avec mes yeux. Surtout que je tourne, mais quand même. Il est minuit 6. Je suis tellement content d'avoir trouvé l'application pour faire des vidéos tel l'écran et pouvoir parler en même temps. Que du coup, j'ai tellement envie de tourner que je suis obligé de tourner en fait. On va faire un peu moins difficile. Parce que j'étais avec des nuls en fait. Day 2, day 7. Même si day ça veut rien dire, bon, quand t'es avec un day 2, donc un jour 2, donc le mec il a joué, il a fait que deux fois une mission en vert. Et quand t'es avec un day 40 ou 50, lui il a fait 50 fois une mission en vert, donc t'es sûr qu'il est des bonnes armes. Bon là, de toute façon, même moi je l'éclate. Il me suffit juste d'un appât. Non, parce que j'ai mon coup spécial, donc ça va attirer en fait. Par contre, j'aime pas cette map pour ce boss. Voilà, donc là on est au boss 3 étoiles. Tout à l'heure j'ai fait le 4, mais ça laguait trop. Mais sinon, oui, je l'ai déjà fait. Hein, problème. Donc là en fait, voilà. Et je referai une vidéo en fait avec mon petit frère, sauf qu'on sera à deux en fait. On sera dans la même partie pour éclater un boss. Lui, il a pas. Enfin, il a pas la même arme que moi en fait. Il n'a pas celle-ci, parce que lui, il s'est pas économisé. Donc voilà, on va l'achever. Hein. Voilà, donc par exemple, je vais mettre mon piège. Aïe. Là, il me fait mal. Et vu que j'améliore un petit peu sa vie, en fait, au mec, du coup, il me fait moins mal. Et mon laser, en fait, c'est un peu comme un fusil à pompe. Tous ceux qui passent devant, ben, ils se font éclater, en fait. Tac. Voilà. Bon, il y a tout le monde qui s'est fait tuer. Bon, il le retire. Et sachez aussi, pour ceux qui si, vont installer le jeu, hein, bon, c'est pas sûr parce que à regarder comme ça, c'est pas forcément agréable. Et ben, sachez que quand vous perdez, enfin, voilà, quand vous êtes mort, en fait, vous pouvez quitter la partie. Même si vous lui avez fait des dégâts, vous gagnerez de l'argent. Mais l'argent sera donné une fois que vous aurez fait une autre partie. Aïe, lui mettre là. Bon, bah voilà, je suis tout seul. Parce que les autres, ils se sont fait tuer. Et ceux qui se sont fait tuer, ils ont quitté la partie en fait. Là, je vais l'enrager. Parce que quand il est à mi-vie, donc après cette attaque-là, il est enragé normalement. Ah, non, pas encore. Voilà, donc là, il est enragé. Bon, allez, je vais essayer de me le finir. Normalement, 600 balles, ça doit suffire. Aïe, aïe, aïe. Lui, je crois qu'il a 2 millions de points de vie à peu près. Je crois que c'est ça, ou peut-être 1 million, je sais plus. Quand on l'aura fini de le tuer,
On verra de toute façon. Par contre, il est aggro sur moi, enfin normal. Je fais mon piège pour l'attirer. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de zombies, il se pète, et que je suis tout seul, il se pète ultra facilement. Je pense que j'ai plus beaucoup de vie, je pense que j'utiliserai un diamant parce que là je vais gagner 10, donc aïe. Ouais, je vais utiliser un diamant. Hop, voilà. Et ça nous régénère, mais je m'en fiche vu que j'en ai 104. C'est juste pour vous montrer en fait. Aïe. Donc là je vais l'achever de toute façon avec l'arme balèze que j'ai. Mais genre j'aime pas me le faire tout seul parce que... Voilà, déjà je me suis fait un petit peu liquider comme ça. Avec les autres zombies. Sans les autres zombies, je pense que oui, je le bats facile. Donc j'aimerais bien créer un playlist en fait avec des autres vidéos d'hiver, je vais l'appeler en fait. Mais là j'arrive pas à en créer un autre en fait. Alors que j'aimerais bien. Et donc si vous pourriez m'aider dans les commentaires en fait, je demanderai ça. Faut que je regarde combien de temps j'en suis sur la vidéo parce que 11 minutes, ok. Donc je finis le boss et après j'arrête. Aïe, je peux pas bouger. Il y avait un gros bug. Enfin, il m'a bloqué en fait. C'est pas un bug. Enfin, je pense pas. Après, je sais pas. Donc, faut pas que je dépasse en fait 15 minutes. Vu que j'ai pas l'accord. Et en fait, vu que ma mère ne veut pas que j'ai une chaîne YouTube, je peux pas trop l'avoir l'accord. Donc. Fini, voilà, il a éclaté. Et voilà, donc là je l'ai tué. Donc, une fois que je l'ai tué, donc je gagne 10 diamants plus le bonus. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et là, lui sur lui, je gagne que 50 000. Enfin, que c'est déjà pas mal. Mais bon, sur mon arme maintenant, elle est vachement chère à améliorer. Pardon, j'ai l'évoqué. Donc là, j'ai 108 000. Et c'est 214 000. C'est hyper cher à améliorer. Hein. Par exemple, S, c'est que 15 000. En même temps, les dommages, ils sont que level 3. Et... ouais. Je vais racheter des balles parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Et on va se laisser là-dessus. Parce que là, je vous ai à peu près... Enfin, je vous ai tout fait, en fait. Et donc, je rejouerai une fois avec mon petit frère. On fera un ou deux boss ensemble, en fait. Et... bon, bah... je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À plus tard. Peace.